Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera pour vous montrer ma commande que j'ai faite chez Miniature Suite. Donc c'est ma première commande chez Miniature Suite, c'est vraiment une boutique extra. Il y a des produits vraiment très spécifiques à nous créatrices de bijoux en fimo et je vous mettrai donc le lien de la boutique en barre d'infos. Allez c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc pour celles qui ne le savent pas, Miniature Suite, c'est une boutique de matériel pour la fimo et ça vient de Hong Kong. Donc là, je pense que vu que c'est les vacances, ils doivent pas avoir beaucoup de commandes parce que j'ai fait ma commande jeudi soir. Donc jeudi, on était le combien ? Jeudi, on était le 8, donc jeudi 8 au soir, donc j'ai posté ma commande aux alentours de 21h, 22h. Et je l'ai reçue ce matin, donc le 14, donc ça a mis moins d'une semaine à arriver depuis l'autre bout du monde, Hong Kong. Je trouve que c'est quand même plutôt rapide. Donc voici, j'ai reçu ça dans une enveloppe bulle. J'ai juste ouvert mais j'ai pas fait le détail encore. Et tout ce que j'ai commandé c'est dans ce pochon. Vous voyez c'est un pochon avec des petits cœurs, c'est super mignon. Derrière il y a un déco tape avec des petits animaux, donc lapin, chien. Voilà. Donc je vais ouvrir et on va découvrir tout ça ensemble. Alors pour commencer, j'ai commandé comme ça des espèces de tour Eiffel. Donc ce sont des petites, pas des breloques, mais ce sont des tours Eiffel en résine. Vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Et avec ça, je vais faire des sautoirs. Ce sera très sympa avec un petit nœud et tout. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, il y en a 7. Donc elles sont vraiment sympas. Tout est très bien emballé dans des petits sachets comme ça, zip. Et là, il y a une petite étiquette avec un cœur. Et dessus, il y a écrit Miniature Suite et l'adresse du site internet. Donc, ensuite, j'ai commandé des petites coupelles comme ça, gaufrettes, pour faire des glaces. Donc je trouvais ça super sympa, c'est très joli. Je trouve que c'est vraiment réaliste. Et je pense que je vais en mouler une sur les deux. Je vais utiliser les deux. Et puis je vais en mouler une. Donc voilà, comme ça après j'en aurai toujours plus besoin d'en recommander. Elles sont vraiment géniales ces coupelles. Ensuite j'ai commandé des anti-poussières. Donc l'idée vient de Flo Anhauser, donc elle vient pas de moi, mais je trouve que son système d'anti-poussière, je trouve que c'est super génial. Dedans il doit y en avoir 15, donc il y en a des noirs, des blancs et des transparents. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah oui, alors j'ai commandé des cacahuètes. Voilà, donc je trouvais que l'effet cacahuète était très bien fait. Donc j'en ai commandé comme ça. Et j'ai commandé un peu des éclats de caramel, ou ouais, je pense, ouais, on peut apparenter ça à des éclats de caramel. On dirait du daim en fait, vous savez, le daim là, ces barres chocolatées, on dirait un peu ça en fait, voilà, donc j'ai ces deux couleurs. Je vais pouvoir en mettre sur des glaces ou ce genre de choses. Ensuite, j'ai commandé donc de la chantilly. De la chantilly couleur rose. Voilà, j'avais envie de tester. Et avec, ils fournissent... excusez-moi pour ma voix. Ils fournissent des poches. Voilà, il y en a deux apparemment. Ouais, ils fournissent avec deux poches, donc c'est cool. Ça va être pratique. Voilà. Ensuite, j'ai commandé trois cannes différentes. Donc, une canne raisin que je n'ai jamais réussi à trouver... ailleurs ou pas à des prix raisonnables, si ça veut bien voilà faire la mise au point, merci. Donc une canne raisin et deux cannes bonbons tournées style sucre d'orge, voilà, je les trouvais jolies. C'est vrai que c'est le genre de canne que je peux faire moi-même, mais les couleurs, enfin je sais pas, les couleurs m'ont bien attirée. Je n'ai pas l'impression que ce soit des couleurs on puisse trouver facilement en fimo. C'est peut-être une autre pâte. Ensuite, j'ai commandé une coque pour portable.
Donc c'est une coque d'iPhone 4S. Donc en fait, je vais vous l'ouvrir, hein, ça. Donc en fait, c'est pour la customiser pour ma sœur, en fait. Voilà, une coque d'iPhone 4S blanche qui m'a coûté que dalle. Je crois qu'elle coûte même pas 1€. Donc vous voyez, c'est assez dérisoire le prix. Et voilà, donc c'est pour la customiser pour ma sœur. Ensuite, j'ai commandé un moule. Donc il a l'air super génial ce moule, je vous en dirai des nouvelles. Et c'est en fait un cabochon. Voilà, un petit moule cabochon que je trouvais très 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 joli. Il est pas bien épais, j'espère que ça va quand même, que ce sera quand même assez épais pour pouvoir mettre quelque chose dedans. Alors ça je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai commandé qui puisse avoir besoin d'être emballé? Ah oui, ça y est, je sais ce que c'est. Ah bah oui, c'est ça, vaut mieux que ce soit bien emballé, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que c'est une bulle comme ça. Donc c'est pour faire un pendentif. Et c'est une bulle que je pense que je vais faire un collier pour moi en fait. Dedans je mettrai un petit cupcake et tout, trop mignon. Bref, c'est pour faire une petite bulle en verre. Donc voilà, c'est vrai que ça, il vaut mieux que ce soit très bien emballé. Ensuite, alors ça, j'ai attendu avec impatience. Ah, en plus, c'est écrit en français, là, une promesse de bonheur. Donc ça, là, c'est emballé dans un petit sachet rose avec un décotape. Ça, j'attendais avec impatience. Ce sont des bâtons de cire. Alors, je les mets comme ça pour que vous voyez bien. Ce sont des bâtons de cire de couleur. Donc, à chauffer avec un briquet et à mettre sur les créations. Donc j'en ai de plusieurs couleurs, là je vais vous montrer la couleur chocolat. Putain, ils sont vraiment grands, j'aurais pas pensé que ce serait aussi grand. Voilà, regardez toutes les couleurs que j'ai. Donc les couleurs sont en double. Hein. Voilà, et c'est à chauffer pour utiliser, pour faire des coulis, ce genre de choses. J'aime bien ce principe. Voilà, donc à tester, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai eu... Ça, je sais ce que c'est. J'ai commandé des coupes à glace que je n'avais jamais vues sur aucune autre boutique. Et que j'aimais beaucoup. Elles étaient assez grosses et d'une forme assez sympa. Donc voilà, il y en a 4. Et il me semble que j'ai payé ça presque 4€. Enfin, pas tout à fait 4€. Et là, vous avez une demi-canne citron qu'ils offrent avec quand on achète des coupes à glace comme ça. Et j'ai eu un cadeau. Donc, c'est plein de tranches, enfin de demi-cannes. Voilà. Oh, punaise, il y a une canne mignon. Regardez, là, la carrée, c'est un mignon, là. Ah, trop chou. Oh là là, ma soeur va être comme une dingue. Bref, donc voilà, donc vous avez une plume, ce truc là, je sais pas trop ce que c'est non identifié. Ah si, ça doit être un réglisse, ça, noir et rose au milieu. Après ça, ça doit être la pêche, là, juste là, ouais, c'est la pêche, je l'avais pas celle-ci. Vous avez une feuille, ça c'est un quartier d'orange, donc la canne mignon, et une petite fleur rose. Donc voilà, donc je vous ai montré tout ce que j'ai commandé à Miniature Suite. Donc j'en ai eu pour 45€ en tout. C'est vrai que c'est assez élevé comme prix, mais ce qui est très très élevé, ce sont les frais de port. Parce que je vous rappelle que ça vient de Hong Kong, donc ça vient de l'autre bout du monde. Et j'en ai eu pour 10€ de frais de port, donc voilà, bon, tant pis. Hein, je me suis affranchie de ces 10€ de frais de port, mais je suis très 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 contente de ma commande. C'est super mignon et... Et je vais faire de belles créations avec tout ça. Voilà. Donc je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.